Deuxième étape, la mobilité verte. Et troisième étape, le verdissement des processus industriels et agricoles. Une fois qu'on a compris ça, je dis comment est-ce qu'on finance. Pour ce qui est du financement, je crois que le verrou majeur qu'il faut faire sauter, c'est l'idée que nous vivons dans un monde avec une quantité de monnaie finie et qu'il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Ça, c'est le discours classique qu'on entend, surtout relayé par les banquiers, qui est « j'ai un ami, vous êtes sympathique, mais je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas d'argent. Où voulez-vous que je trouve ?» Ce discours-là est faux. Il faut comprendre que le métier d'une banque, c'est de créer la monnaie de tous les jours. Une banque privée. Lorsqu'une banque privée est d'accord d'un crédit, elle crée de la monnaie. Il est très important de comprendre que c'est ce qui distingue fondamentalement.